Bonjour et bienvenue chez Mijo Beauté. Mon nom est MJ et j'ai 47 ans et je fais des petites vidéos une fois de temps en temps sur les produits anti-âge, des trucs beauté pour les peaux matures et les peaux plus jeunes aussi. Donc, cette semaine, je discutais avec une dame, Madame L, pour être même plus précis, Madame Louise. Et puis, elle me demandait comment que je faisais pour faire mon super trait d'eyeliner. Eh bien, aujourd'hui, je vais te faire une vidéo et je vais te montrer comment je le fais. Donc, j'ai aucun produit autre que du rouge à lèvres. Un petit peu de mascara, j'ai fait mes sourcils, je n'ai aucun fond de teint, aucun primer, aucun fard à joues. Donc, sans plus tarder, on va commencer comment faire un beau eyeliner pour peau mature. À plus! Ciao, bisous! Donc, pour être en mesure de te faire un beau trait d'eyeliner, il faut que tu comprennes l'architecture de ton œil. La ligne qui va nous guider afin de faire un beau trait d'eyeliner, ça va être celle-ci. Du coin de ton œil, au coin de ton sourcil, il y a une ligne qui existe. J'espère que tu peux la voir. Donc, on va travailler à remplir ou à façonner notre trait d'eyeliner en fonction de cette ligne naturelle-là. Donc ici, on a une ligne naturelle. On va se créer une petite ligne. Qui descend du coin de mon œil, puis qui s'en va vers mon sourcil. Je vais remplir et je monte. Je fais un petit triangle. Donc, pour l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais trouver ma ligne naturelle qui rejoint mon sourcil et je vais faire mon trait de liner. Et je m'en vais remplir le dessus de mon œil. Et je vais rejoindre ma petite ligne. Donc, comme tu peux voir, j'ai fait une grosse boulette, mais il n'y a rien qu'un petit coton-tige ou un Q-tips ne peut pas régler. Et voilà, voici comment qu'on fait un beau trait d'eyeliner en utilisant l'architecture de son visage naturel. On fait notre ligne, on fait un petit triangle, on rejoint jusqu'au milieu de son iris. Ou, si on veut vraiment avoir un look plus complet, on peut toujours aller jusqu'au bout de son œil ou faire une ligne plus épaisse. Et voilà. Voici comment on fait un beau trait d'eyeliner. Et puis, il ne faut pas s'en faire hein, parce qu'on n'a pas les yeux pareils. On n'aura plus jamais les yeux pareils. On travaille un petit peu, on va l'ajuster, on va le remonter un petit peu. Comme voyez-vous ici, là, je trouve que celui-là, il descend un petit peu plus. Donc, ce que je pourrais faire, c'est d'aller l'ajuster. En ramenant mon trait. Puis ça. Ça fait bien mon bonheur. Donc, voilà comment qu'on fait un trait. On a une ligne naturelle qui rejoint le coin de notre œil. Au bout ici de notre sourcil, on tire notre ligne, on trace notre ligne sur le dessus, on rejoint, s'il faut, on tire la peau, on remplit, on fait un tout petit triangle ici sur le coin, et voilà, un beau trait d'eyeliner. Réussi à tous les goûts. Donc, j'aimerais aussi préciser que je ne suis pas une artiste ou une professionnelle du maquillage, donc c'est fait sans façon, selon mes connaissances à moi, selon ma peau à moi. Donc, c'est sûr que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre, puis je pense que la pratique fait que nous sommes meilleurs au final. Donc, si tu as aimé ma vidéo, donne-moi un like, un petit thumbs up,
Abonne-toi à ma chaîne si tu as le goût. Et puis, j'aimerais vraiment que vous me fassiez des commentaires ou des suggestions ou des recommandations de choses que je pourrais faire ou même si je peux m'améliorer dans certains points. Dites-le-moi, c'est toujours apprécié. Donc, merci beaucoup. Gros bisous. Bye.